أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعلى عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك سامي باسين نجي فيه دعاء. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دعاء لكم شيء بيب. Donc aujourd'hui nous commence de la sur sur explication. Donc première petite chose, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Allahumma inni abduk, veut dire oh Allah, moi, un servante, moi, un esclave pour toi. Ibn Abdi, ça veut dire enfants et esclaves. C'est-à-dire depuis cause concernant nous, papa. Et garçon et esclave femelle, c'est-à-dire depuis cause concernant nous, maman. Là, ce qui nous fait faire, nous fait abaisser nous-mêmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fait montrer qu'on a le profil, une humilité, modestie. Et Allah subhanahu wa ta'ala est extra content, ça. Quand un serviteur, il reconnaît qu'il y a un serviteur. Un djimoun plus haut degré qu'il est capable d'atteindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les rois, ce n'est pas les ministres, etc. C'est l'ivin abd. L'exemple, par exemple, quand un djimoun il dit shahada, qu'il dit, il dit la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, après il dit wa ashadu anna muhammadan, qu'il dit rabduhu wa rasulu. Avant il dit au prophète, qu'il dit, mais pour préciser ça bien, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un abd, il y a une serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah. » Au ben djimoun, certainement, fuqara veut dire qu'on dit ben charité. Donc on dit ben charité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui en a toute la richesse. Et Hamid, ça veut dire tout bel éloge qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand ça dit mon nom, il fait une abaisse, il fait une garde low profile, Allah subhanahu wa ta'ala est extra content et pas même quelque chose, ben asbab, c'est pas même raison qui Allah subhanahu wa ta'ala dit pour répondre doit l'appel à Jimoun. L'autre quelque chose encore qui est là, c'est qu'il nous reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Rabb. Il commence, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasuyati biyadik madun fi hukmuk adun fi qada'uk. C'est-à-dire là, tout ça là qu'il peut mentionner dans sa doua là, c'est qu'il peut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala numéro un, c'est l'Irab. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire nous il finit mettre Allah subhanahu wa ta'ala central, c'est-à-dire plus haut, c'est lui qui est plus important qui est dans nous la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala doit la déconseiller à ce qu'il dit « Nasuyati biyadi ». Nasuyati, qu'est-ce que c'est ça? C'est sa bout de fond là. En, nous disons du CV là, sa bout de CV là, et sa fond là. Ça, on appelle ça « Nasuyati ». Là, il faut nous comprendre une affaire, c'est-à-dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous figuerons sur la main ». Il va finir ce pas nous font dans sur la main. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala finir ce service là? Pour nous comprendre ça, ben arabe, c'est la 400 banane de là. C'est une expression qui je typifie à lui. Quand je peux dire « Nasuyati biyadi », c'est-à-dire surtout comment nous dire un maître qui est un esclave. Quand il cause comme ça avec ce esclave, il cause concernant l'iena un contrôle total, 100% l'eau sa esclave. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un contrôle, nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut abaisser nous-mêmes, nous peut être nous dans une humilité extraordinaire. Et nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a un contrôle total, extra, l'ONU, 100%. Ça veut dire lui-même qui fait un djimoun vin pauvre, lui-même qui fait un djimoun vin riche, lui-même qui guide un djimoun, lui-même qui égare un djimoun, lui-même qui fait un djimoun malade, lui-même qui guérit un djimoun, bref, tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a contrôle de tout, tout ce qui bougeait, tous animaux, tout pied, tout feuille, tout ce qu'il nous appelle créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un contrôle total, absolu, ou là. Ça veut dire, là, qu'il nous fait faire, nous peut donner Allah subhanahu wa ta'ala ce rububiyya. Ça veut dire, en tant qu'Irab, nous peut donner valeur sa bonté qu'il mérite là. Parce que c'est une caractéristique
qui lina, et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanakallahumma wa bihamdika, Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.